Na papel est trop capable de dire pas détecter un dimanche en Afrique. Maggie est une aînée pour 30 ans. Et en ce moment, elle travaille avec le ministère de l'Éducation comme un instructeur premier soin pour l'école maritime. Ça veut dire qu'il est en train de connaissance sur le topic virus HIV et maladie SIDA. Là, Maggie peut évaluer face aux autres collègues pour être si capable de causer bien devant un grand groupe de monde et plus important si on bien son fait le HIV SIDA. Ça tient en effet dernier exercice de sa formation une semaine qui a commencé depuis lundi, quand ça va travailler pour gagner plus de skills et les outils nécessaires pour adresser les HIV/AIDS dans notre grand droit de travail. C'est le coordinateur régional Prosé Iris de la Commission des sciences indiennes, Dr. Bina Validon, qui facilite sa formation. Dr. Validon dit que le PC forme sa groupe qui s'appelle HIV Champions pour aider les gens qui sont infectés avec virus HIV et maladie SIDA comprend plus bien les droits dans notre grand travail. Et in an HIV AIDS in the workplace policy qui est en progrès en 2007. Mais malheureusement, ça n'a pas été divulgué. Bien que les gens qui ont le droit de travailler, qui peuvent vivre avec le VIH. Et donc, c'est une opportunité pour partager l'information là, et dans sa workplace policy là. Et deuxièmement, une connaissance générale le VIH-SIDA. Kevin Aglaé travaille au département de l'emploi. Et lui aussi, tu peux participer de sa formation. Je crois à la 20 jours, il y a beaucoup. On a dit que nous disons que c'est un tripartite comité. Quand nous avons des autres bonnes partenaires, quand nous avons essayé de drafter un roadmap, nous sommes capables de travailler un programme pour capables de résoudre les HIV et de l'AIDS. Devant le droit de travail, elle connaît quelque chose qui est beaucoup de nos parcours là. Et la plupart du temps, nous croyons qu'il y a quelque chose qui concerne le ministère de la Santé, qu'il y a une chose qui concerne la communauté. Quant à Rita Doglé, un enseignant par profession, il dit qu'à présent, il sentit qu'il y a assez de bagages pour plus bien passer le message HIV-SIDA avec seulement des autres collègues. Et nous sommes fruitful. Et nous avons un sens, ce qu'on est, que ça veut dire HIV et que ça veut dire SIDA. Et ça nous fait nous connaître dans l'ONS qui sa maladie lui-même emmène. Par exemple, qui m'a eu gagné, qui m'a eu préventé, après qui m'a eu un traitement pour qu'il n'y ait pas gagné. Le ministère de la Santé dit que sa formation est importante pour qu'il n'y ait pas d'autres qui déplacent tout le temps pour faire bonne causerie de sa virus et maladie, et avant dans les autres qui m'ont qualifié cette place pour faire ça.